today. Camac is receiving an award from the ACMP, Associated Chamber Music Players, and they only notified us of this award about 2 weeks ago, and which was excellent news. But when I was thinking about all this, we decided that it would be a great moment to have this happen here at Camac for week 3, Chamber Music Week. Alors, pour présenter ce prix, nous avons Madame Corinne Bergeron. Corinne will explain to you why it's her presenting this prize, and all of us obviously know her so well. Alors, Corinne. Bonjour tout le monde. Chers amis musiciens, connaissez-vous le ACMP? Non. Do you know there is a worldwide service association for chamber music players, amateur chamber music players? Depuis 1947, il existe une association qui supporte et offre des possibilités de musique de chambre pour les musiciens amateurs. If you are traveling around the world, you may look in the directory of the ACMP and plan a few sessions while visiting a new country or a new area. It could be also useful to look at the directory if you move in a new area. Ainsi, il est possible de consulter le répertoire du ACMP si vous voyagez à travers le monde ou si vous déménagez à une nouvelle adresse dans une nouvelle région pour savoir qui joue de la musique de chambre dans cette région. Vous y trouverez les coordonnées des musiciens qui sont prêts à organiser des sessions de musique de chambre pour des musiciens amateurs. Vous pourrez aussi trouver le nom de musiciens qui sont prêts à prêter des instruments pour faire une session si vous ne voulez pas voyager avec votre instrument. And since 1993, the ACMP as a foundation administering a world grand program for home coaching and other chamber music players. Depuis 1993, il y a une fondation au ACMP qui administre un programme de subvention pour les musiciens et amateurs. La fondation soutient des programmes communautaires, des ateliers pour les musiciens amateurs et des sessions de coaching pour des ensembles de musique de chambre. D'ailleurs, le ACMP offre à Camac une subvention pour l'organisation des sessions de musique de chambre, particulièrement la semaine 3, depuis 2019. So, since 1990, the ACMP is giving a grant to Camac to support the chamber music program during week 3. So, the ACMP is open to every musician and the membership is free. You may take a postcard and look on the web to see what you can find at, in the ACMP website. Alors, le ACMP est ouvert à tous les musiciens. L'inscription est maintenant gratuite. Puis, vous pourrez prendre une carte postale du ACMP puis aller voir sur leur site. Il y a beaucoup de ressources pour les musiciens amateurs. Mais aujourd'hui, je ne suis pas là simplement pour vous parler du ACMP, mais plutôt pour remettre à Camac le prix Susan McIntosh Lloyd. Today, I'm not here only to present the ACMP. As an ACMP, North American Outreach Council member, I'm glad to present to Camac the Susan McIntosh Lloyd Award. Ce prix est décerné à chaque année en reconnaissance et en soutien à une organisation engagée envers l'excellence et la diversité dans l'enseignement de la musique de chambre. The Susan McIntosh Lloyd Award is given annually in recognition and in support of an organization which reflects Sue Lloyd's long life commitment to chamber music education. Susan was a violist and a board member of the ACMP for many years.
She also served as the newsletter editor for 21 years. She died in 2018. Suzanne a été impliquée au ACMP dès sa création en 1949. Elle siégea de nombreuses années au conseil d'administration et fut l'éditrice de l'infolettre pendant 21 ans. Elle y ajoutait même des petites bandes dessinées jusqu'en 2001. Le prix Suzanne McIntosh Lloyd a été remis pour la première fois en 2016 à la Sphinx Organization de Détroit, Michigan. The first Suzanne McIntosh Lloyd was given in 2016 to the Sphinx Organization from Detroit. Since that, the award was given to the Purcell School of Music in Iowa City, the Chamber Music Center of New York City, the Del Sol Quartet from San Francisco, the Portland Spring Quartet in Maine, the Apple Hill Center for Chamber Music in New Hampshire, and the Music Conservatory of Westchester, New York, and to the Dali Quartet from Philadelphia. CAMAC est le premier organisme situé en dehors des États-Unis à recevoir ce prix. So CAMAC is the first international recipient of the Susan McIntosh Lord. Et je suis bien fière de remettre à CAMAC ce prix qui souligne l'engagement envers l'excellence, la diversité dans l'enseignement de la musique de chambre. Long life to CAMAC. And let's celebrate CAMAC commitment to chamber music. Bravo.